Seasons flow into one another, and it's getting so hard to remember. There's memories I don't even have. We never gone, and every dance I never danced with her. What we've never been through together. A woman, and so much more. And she's a woman, she could turn me into a bear.
meant to complain. I'm not meant to complain. A brown hair turned to red and then to blank. My patience keep filling my paper bag. Shit about the time that shit about what I'm feeling. The laugh, but no one tries. The tears that are falling. The tears not dressing for my heart. And she's just a woman. And so much more. And she's just a woman. And so much more. Eh oui, on est en direct du rooftop d'Euronews. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, on est complètement sur le toit de l'Europe et c'est génial. Je sais ce que tu te dis dans ta tête, dans ton canapé. Tu te demandes où est-ce que j'ai eu mon t-shirt. Eh bien oui, c'est celui de ma femme, je lui ai piqué. T'en as rien à foutre de ce que je viens de dire? Très bien. Là, on est avec Last Train. Pourquoi? Parce qu'on est à Lyon et c'est le groupe de Lyon, le groupe de rock. Mais ce n'est pas le groupe de Lyon, c'est un des majeurs groupes de rock en France. Et en plus, petit secret pour toi dans ton canapé, ils n'ont rien à voir avec Lyon. En fait, c'est des Alsaciens. Ils sont venus s'incruster ici juste parce qu'ils savaient qu'il y avait le siège d'Euronews et qu'ils rêvaient un jour de faire un morceau de rock sur le siège d'Euronews. Donc voilà, c'est fait. J'espère que vous êtes contents, vous avez passé un bon moment. Merci. Comment ça va les gars? Ça va, super, super à fond. On peut bientôt déménager de Lyon, alors maintenant c'est fait, faut qu'on trouve un autre objectif. Quoi. Alors Last Train, c'est un album moi, que j'ai adoré, The Big Picture, qui est, alors pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent un peu sur les réseaux, moi j'adore l'essence, j'adore la pureté. On ressent ça dans cet album. C'est un album qui s'écoute religieusement et qui se regarde aussi avec des somptueux clips, notamment carrément un court-métrage. Alors laisse-moi 10 minutes, 10, 12 minutes
Ouais, 10 minutes 27. 10 minutes exactement. 27, donc c'est vraiment quelque chose qui se regarde. C'est un disque qui a été fait. Ils vont nous expliquer comment ils l'ont fait. Ils sont partis en voyage dans un endroit. Ils vont nous dire où et comment ils ont fait ça. Mais on sent le bois, on sent l'essence du rock. Et c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Alors, parlez-nous un petit peu de cet album. La genèse, l'enregistrement, tout ça. On est parti. Non, comment? Avant de partir, on a d'abord arrêté. On a fait beaucoup de concerts. On a sorti deux petits EP. Ensuite, on a sorti le premier album. Et pour nous, c'était la découverte d'absolument tout. Tu vois, on connaissait absolument pas l'industrie, l'univers des tournées, tout ce qui s'y passait, le studio, ainsi de suite. Donc, ça a été 3-4 années d'apprentissage et d'apprentissage assez intense parce que on faisait genre 100 dates par an. Et donc du coup, au bout d'un moment, on était juste fatigué, en fait, juste fatigué. Puis on a grandi, donc on avait envie de raconter des nouvelles choses. Il y a des chansons, tu sais ce que c'est, tu les joues depuis genre 5 ans. T'as envie de raconter de nouvelles choses, quoi. Donc on s'est posé un an et demi, je crois. C'était un peu bizarre de faire une pause. On n'avait jamais vraiment fait ça. Puis on n'avait jamais eu le droit de faire ça. Donc on était hyper contents de s'octroyer ce temps-là. Et on a composé dans un studio de répète, là, pas très loin d'ici, en banlieue lyonnaise. Et c'était trop chiant, mais il y avait une salle de prise de son qui était assez grande, parce que l'idée, c'est qu'on joue tous en live, on enregistre tout live ensemble. Donc, alors ça, c'est aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes la Star Academy, ben, t'as le chanteur qui fait un truc dans son coin, le bassiste dans un autre, ça, c'est 2020. Eux, ils l'ont fait, ils jouent tous en même temps enregistrant live, ils ont tous enregistré en même temps dans un studio. Alors, c'est de plus en plus rare. Pourquoi? Parce que pour faire ça, il faut bien jouer. Pas forcément, hein, je me semble. Ou alors, il y en a un qui est relou et qui fait recommencer tous les autres. Ah, c'était donc toi? Non, je suis pas forcément celui le relou qui fait recommencer, mais non, c'est pas forcément. Je crois que c'est plus une histoire d'énergie en fait que de bien jouer, parce que sur les prises de l'album, on sait qu'il y a des erreurs, hein, mais ouais, non, en fait, c'est comme disait Jean-No, on a appris par le live. Nous, on a beaucoup tourné avant de faire des enregistrements, et en fait, on a gardé ce truc là. On a besoin de que ça joue en même temps, vraiment, ouais, de quoi. Sentir le truc, quoi. Il y a des prise qu'on a fait en une fois. On a joué, le morceau qu'on a joué là aujourd'hui, ouais. Par exemple, on l'a fait en une seule fois alors qu'il dure 10 minutes. Il y a des morceaux de 4 minutes qu'on a refait 30 fois ou 40 fois. Enfin, et des fois, c'est un peu casse-gueule parce que ouais, le tempo est pas le même, tu vois, ça change du début à la fin. C'est un peu le. Ouais, c'est ça, on joue sans métronome, on joue ensemble, et puis des fois ça passe, et d'autres fois c'est une catastrophe. Mais moi je trouve qu'on le ressent vraiment sur le disque, il y a vraiment un côté, on sent le bois de la batterie. C'est un truc que j'avais pas entendu depuis très très longtemps, et j'étais très très content de réentendre. Je vous l'avais dit quand on s'était croisé dans un festival, c'est vraiment un disque qui m'a marqué, et on va mettre un petit lien en dessous de la vidéo pour que tu puisses aller l'écouter dans ton canapé. C'est vraiment un disque qu'il faut avoir dans sa discographie, parce que c'est pas que c'est différent, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps et qui fait plaisir. Et justement, en parlant de ça, alors je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais alors vous, la strength, c'est que vous gérez vous-même tout. Enfin, c'est un truc, tu vois, j'explique, hein, t'en as qui ont des maisons de disques, des tourneurs, des éditeurs. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu regardes sur Internet. Et bien vous, c'est vous qui faites tout. Alors, d'où vient cette idée? Et en même temps, c'est génial parce que vous faites tous les plus grands festivals français. Vous avez eu un Trianon qui était complet. Vous avez un Olympia qui est booké pour 2021. Tu iras voir aussi sur leur site le petit lien en dessous de la vidéo pour prendre tes places si tu veux les voir. Vous avez fait plus de, je sais pas combien de pays. Vous avez été aux États-Unis. Et tout ça, tout ça, tout seul. Je vais essayer d'être concis parce que là... J'imagine, il y a beaucoup de choses. Parce que mais... là, comme ça, c'est vrai que ça envoie du rêve. Même moi, je suis hyper content d'entendre ça, tu vois. Mais ensuite, c'est vrai que... Putain, on en a chié pendant un moment. Et puis, il faut rendre à César. Je pense qu'il y a César. On n'est pas tout seul. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Et que je pense que, comme tu disais, avant, l'essence et l'énergie, elle émane vraiment du groupe. Aujourd'hui, on contrôle énormément de choses nous-mêmes. Mais on a eu la chance d'être bien entouré, en tout cas d'avoir été surtout bien conseillé, je pense, pour faire tout ça. Mais effectivement, nous, on s'est rencontrés quand on avait 12 ans au collège. On monte un groupe comme tous les groupes de rock. En gros, on joue dans les petits bars à gauche, à droite. Puis il y a les études qui arrivent. On va être splitté à gauche, à droite en France. On ne sait pas exactement quel va être l'avenir du groupe. Et donc, du coup, on se décide. Il y a vraiment cette phrase, hein, soit on continue le groupe pendant 6 mois et puis ensuite, chacun va faire sa live. Soit on s'arrête 6 mois
et on taffe comme des oufs en sous-marin, et quand on revient, ça chie de ouf. Et en fait, on s'est lancé ce défi, on a choisi cette option-là, et donc on a commencé à monter une tournée, à faire nos premiers clips nous-mêmes, à faire contacter les journalistes, donc faire de la promo et tout ça. Et en fait, on découvre que tout ça, c'est des métiers. Bah, il y en a un, c'est un tourneur, l'autre, c'est un attaché de presse, l'autre, c'est, tu vois, c'est un réel de clip, ainsi de suite. Et puis, bah, on s'est pris de passion pour tout ce truc-là, tu vois. Et puis, bah, forcément, tu commences à rencontrer des gens, tout ça. Ça t'amène sur des festivals, tu commences à jouer avec d'autres groupes, et puis tu te rends compte qu'en fait, c'est une industrie, la ZIC, quoi, que c'est un gros truc de ouf. Et voilà, on a simplement décidé, ben, d'une part, de le faire pour nous, mais au bout d'un moment, quand on sentait qu'il y avait des choses à faire, ben, on voulait le faire aussi pour d'autres groupes. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que certes, on, par exemple, on est label pour Last Train, on est tourneur pour Last Train, on est producteur, on est réalisateur de clips, mais on l'est aussi pour d'autres groupes. En fait, c'est, on est vraiment tourneur, on est vraiment producteur, on est... Ouais, vraiment réel. C'est juste que, en plus, on est artiste. Et c'est ça qui est cool, c'est en fait d'avoir plein de casquettes et de, d'avoir cette vue d'ensemble, en fait. Tu vois, cette vue d'ensemble. Donc, ce que vous expliquez, c'est que c'est beaucoup de boulot, mais que c'est possible. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Je voulais. Voilà, j'ai pris un peu le temps de te présenter le groupe, mais pas que musicalement, parce que pour nous, c'était vraiment important de t'expliquer aussi à toi, dans ton canapé, si tu as envie de faire un groupe, bah, que c'est possible de le faire. C'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de désillusions aussi parfois, et c'est aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. J'espère que ça t'aura fait plaisir. Merci pour ces morceaux-là qu'on a eu, c'est super cool. Merci beaucoup pour l'invitation. Très vite. J'espère qu'on se reverra très vite en studio, sur la route, pour qu'on puisse faire les cons ensemble. Voilà, tu peux couper, Pat Le Guen.